Bonsoir, chers téléspectateurs, amis du livre, de la lecture et de la culture d'expression française. Le poète sénégalais Léopold Sédar Senghor disait « La poésie, c'est les chants de l'âme ». Ce soir, sur notre table, un très beau poème, un long poème, intitulé « Les Saints de la Menthe », publié aux éditions Stella Maris par Timba Bema, qui est un auteur camerounais vivant en Suisse. Bonsoir Timba. Bonsoir Alain. Les Saints de la Menthe. Le titre interpelle et quand on voit la couverture, on se dit que Timba, c'est quand même de la provocation parce que c'est une poitrine de femme dénudée. On ne sait pas si c'est de la sueur ou bien de l'eau et on se pose des questions. Est-ce de la provocation? Bon Alain, déjà je te remercie de l'opportunité que tu m'accordes de pouvoir parler de Les Saints de la Menthe. Est-ce que c'est la provocation? Je dirais non. Pourquoi est-ce que je dirais non? Parce que je vais un peu te révéler un secret de confection, donc de la couverture, c'est en fait que la lumière était à l'origine censée être beaucoup plus claire. Donc on voyait mieux les seins dans la première proposition que l'éditeur m'a faite. Bon, et forcément, puisque je ne voulais pas être dans la provocation, je lui ai demandé qu'on noircisse un petit peu les contours et aussi pour que ça restitue justement cette idée qui est fondamentale à l'intérieur du poème, qui est que le corps, finalement, il est central dans la construction de la conscience. Et aussi de ne pas accentuer le regard sur, on va dire, la sensualité ou bien la sexualité du corps, mais de l'orienter plutôt vers la perception du corps comme étant un véhicule. Un véhicule vers lequel on accède à une meilleure conscience de soi, à sa liberté. Voilà. Donc, on n'est pas du tout dans la provocation, mais je vais dire que c'est plutôt du titillement, de l'interpellation. C'est-à-dire que j'essaye de piquer quand même un petit peu l'esprit pour l'éveiller à une idée de la liberté que j'estime être centrale pour un esprit humain. Alors, je plonge dans les premières pages des Saints de la Menthe et je lis « Maudits soient les Saints de la Menthe ». Dont les laits t'a comblé des vanités et des poisons doux de cette folie douce qui brûle comme en enfer ton corps sur terre. Lait, j'ai régulier et bouillant, sur la lèvre ouverte, le pied, béant, à la générosité de la calebasse ornée d'une fresque de tortue debout sur les pattes arrière. Alors, Timba, on sait dans nos villages quand nous nous y rendons, nos grands-mères mettent tout ce qu'il y a de précieux dans une calebasse. Mais là, quand je lis les mots qui précèdent l'évocation de la calebasse, c'est comme si dans cette calebasse-là, il n'y a rien d'intéressant. En fait. Il y a une malédiction peut-être. Bon, c'est vrai que cette image, elle est très intéressante parce qu'il y a le saint, qu'on peut associer au pis de vache par exemple, et puis il y a le lait aussi. Donc le lait, un animal nourricier qu'on va conserver dans une calebasse pour pouvoir faire du beurre par exemple, donc un aliment par exemple qu'on utilise pour la cuisine, pour même les soins du corps et puis ainsi de suite. À la page 7, ton dernier paragraphe, tu dis ceci: sa route, avait-elle dit, devait bifurquer de la tienne, car une fatalité dictée par l'érosion lente et silencieuse des êtres dans les choses et des choses dans les êtres. Vous voudrez tout, mais alors tout ce qui est tressé, tout ce qui est noué, se détache en fil d'or que le soleil rouge des 5 heures enflamme à l'Occident. Alors, je me rends compte que tu poses là la fin inéluctable de toute chose. Tout ce qui a été tressé devait être détressé. Tout ce qui a été noué devait être dénoué. La fin est, comment je dirais, inévitable pour tout ce qui s'est vu sur Terre. Oui, je pense que c'est même cela la vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager la vie sans envisager la mort. Et il n'y aurait même peut-être pas de vie s'il n'y avait pas la mort. Parce que finalement, c'est la fin de la vie qui la délimite. Et donc, il faut que la vie soit délimitée. Par exemple, si on avait une vie éternelle, on ne parlerait plus de vie. Ce serait autre chose. Et l'idée quand même qui est centrale, c'est l'idée de l'entropie. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée qu'on a besoin que certaines choses meurent pour produire de nouvelles choses. Vous voyez? Donc, c'est vraiment une idée qui est centrale. Et au niveau du poème, en fait, comment ça entre en résonance? C'est vraiment une histoire, on va dire, un petit peu tragique, parce qu'il faut finalement que cette histoire d'amour se termine pour que l'amant s'éveille à sa conscience et puisse aspirer à sa libération. Donc, il faut qu'il y ait une fin d'une histoire d'amour pour permettre le début
d'un cheminement conscient de sa propre existence, de son propre corps. Donc c'est vraiment ce principe d'entropie, une fin qui donnera naissance à un renouveau par la suite. Est-ce une manière pour toi de redéfinir la réincarnation ? On peut dire que, bon, parce que si on veut rester vraiment dans l'idée de réincarnation, ça voudrait dire que c'est le même esprit finalement qui ne fait que changer de corps. Ouais. Mais là, c'est simplement en fait la matière, hein, si je veux rester dans cette idée d'entreprise, c'est la matière qui change de forme, simplement. Donc, est-ce que cette matière est habitée par un esprit ? Je ne sais pas trop, mais je constate simplement qu'elle change de forme et que là, dans le cas échéant, une histoire d'amour finalement se dissout. Donc, et c'est dans cette dissolution-là qu'il y a une conscience qui naît de la douleur. Alors, nous allons à la page 8. Il est dit ceci. Alors, elle devait partir avant que le destin s'accomplisse. Les fruits finissent toujours par mûrir, à tomber au pied de l'arbre et à pourrir. Quand la main feint d'ignorer la saveur de leur chair, elle devait partir dans l'empressement, sans baluchon ni espoir, seule avec quelques souvenirs, souvenirs bleus de jours innocents, souvenirs des jours pairs, qui se dissiperont au carrefour de son dernier rêve. Partir, la survie en milieu hostile est un devoir qui surpasse l'amour. S'arracher dans les cris et la douleur pour se greffer ailleurs, dans une oasis au milieu du désert. Alors, la survie en milieu hostile est un devoir qui surpasse l'amour. Cela, comment ça peut se faire en fait? Oui, c'est vrai que c'est une image qui peut sembler comme ça au premier abord étrange. Et elle peut se comprendre en revenant vraiment dans le contexte du poème, qui est donc le suivant, qui est que l'amante, elle pressent que l'amant est totalement, comment on dit, c'est un terme qui m'est très cher, qui vient en fait de ma tradition douala, ma coutume douala qu'on appelle le mbewanyolo. C'est-à-dire que le mbewany, c'est la perte du corps. C'est vraiment comme si quelqu'un ne se possédait plus lui-même. Il ne se possède plus lui-même. Mais ça ne veut pas, par exemple, dire qu'il est habité par un esprit malfaisant, hein, alors, par exemple. Alors, si mais il ne se possède plus. J'aimerais quand même, il y a quelque chose d'intéressant que je viens de dire. Mbewanyolo, est-ce que c'est lui qui devient amoureux et dans le mbewanyolo parce qu'il ne se possède plus? Bon, l'idée quand même du mbewanyolo, c'est que c'est quelqu'un, finalement, qui est là, qui est une présence, mais qui n'habite plus son corps. Sans pour autant être habité par un esprit malfaisant, mais qui n'habite plus son corps. Parce qu'il y a d'autres thèmes, par exemple, pour traduire la possession. Donc là, c'est un peu un exemple simple, par exemple, pour un thème qui peut, en français, un peu l'illustrer, c'est par exemple la malchance. C'est-à-dire que c'est, par exemple, donc, quelqu'un qui n'arrive plus à articuler sa pensée et son corps, son esprit et son corps, de manière à obtenir, par exemple, dans la vie, des choses agréables pour lui, donc d'avoir des réussites. Donc, il a beaucoup de volonté, il a beaucoup d'envie, il se lance dans plein d'actions, il ne lâche, il ne baisse pas les bras, mais il n'a pas de réussite. Donc, il est comme, on pourrait dire, dans un cercle infernal de la répétition et encore de la répétition, un peu ce genre de phénomène qu'on peut observer facilement en Afrique, par exemple, où on est dans une répétition permanente tous les 30 ans après un changement de régime, par exemple. Voilà. Donc, et c'est un peu le cas de l'amant ici. Alors, à la page 9, elle partait donc vers le lointain des steppes pour fuir la calamité qui ondoyait, désarticulée, au-dessus de ta tête. Poudre, vent et gaz sulfuriques qui marchaient l'est à tes côtés dans leur couleur vive et chatoyante. Carnaval, le temps se déchire à l'infini dans une danse, tantôt effrénée, souvent convulsive au grondement d'un volcan jaloux. Tu chantes l'épopée d'une séparation là, une séparation de corps, mais aussi de tous les délices qui insufflent le corps. Oui, c'est même ça la rupture hein, d'un amour, parce que justement, il s'aime encore, et c'est ça qui est tragique dans cette histoire, c'est qu'il s'aime encore, et pourtant l'amante, elle est convaincue que leur amour est voué à la perdition, parce que l'amant ne se possède plus lui-même. Il n'est plus en harmonie, c'est-à-dire qu'il n'est plus en harmonie
avec son propre corps. Et là, ce sont vraiment des phénomènes, je pense, que, sur lesquels on devrait relativement s'apesantir. Parce que l'idée, en fait, finalement, derrière cela, elle est la suivante. Elle est, en fait, que notre corps, finalement, a une sorte de mémoire traumatique. C'est-à-dire qu'il va, en fait, conserver un ensemble de traumatismes que de génération en génération des personnes ont vécu et qui vont se transmettre simplement sans même qu'on ne se rende absolument compte de cela. Et l'amante, à la faveur donc, de cette nuit d'amour, finalement, elle réalise, hein, elle prend conscience de cette mémoire traumatique du corps de l'amant qui se réveille, et bien forcément un individu qui est autant pétri de traumatisme qu'on pourrait par exemple l'être un Africain, n'est que quelqu'un qui est perdu à lui-même. Et c'est vraiment cela, c'est-à-dire que un amour ne peut pas être heureux, hein, pour un peu revenir sur quelque chose de relativement trivial, un amour ne peut pas être heureux si on n'est pas bien dans son corps. Je pense qu'on peut tous faire l'expérience, c'est-à-dire qu'il suffit par exemple que vous soyez très mal dans votre peau pour que déjà vous arriviez même à faire fuir tout ce qui vous environne par exemple. Et c'est un peu le cas de l'amant ici. Étant très mal dans son corps, il fait fuir l'amante et puis ben, elle va dans les steppes du Nord pour essayer de se refaire une nouvelle vie. Alors, j'ai aimé la page 10. La prémonition qui étouffait ta respiration depuis des mois était remontée en flèche des confins de ta mémoire, faisant éclore dans tes nerfs les bourgeons de la peur. La peur dont le fétiche n'était qu'autre que la morte. Fer, tu la voyais debout sur le plancher, des eaux calmes, d'un lac étalé en croissant de lune, au milieu de la ville basse, le visage miroitant, les sentiments aveuglants de la lumière, et soudain se lever dans les airs, puis disparaître. Alors tu répandais du gros sel aux quatre points cardinaux pour éloigner le malin qui, selon toi, tapissait l'invisible, parce que le bonheur que tu serrais ferme dans ton poing refusait de se laisser imprégner par la violence du réel. L'amant a quand même tenté de conjurer son sort. Oui, il a tenté de... Pour lui, c'est une malédiction, c'est un maléfice qui lui arrive. Il veut lutter contre ce maléfice. Il a répandu du sel. Oui, oui, c'est vraiment cette image. Quoi, parce que je l'ai dit un peu comme ça. Quand j'étais petit, je pense que j'ai un peu assisté donc, à, on va dire, l'irruption hein, dans la scène publique. Et puis aussi dans les familles, surtout même dans les familles, disons, des églises éveillées. Mm-hmm. Et bon, étant né dans un contexte de sorcellerie, où pour la moindre petite chose, justement, souvent même ça peut être lié au Mbéwagnolo, parce que souvent nos traditions, même africaines, elles sont très complexes. Mm-hmm. C'est-à-dire que tout le mal qu'un individu peut avoir n'est pas seulement lié à la sorcellerie, mais il peut juste avoir le Mbéwagnolo. Et il y a d'autres rites particuliers qui n'ont plus rien à voir avec la possession, justement, d'une sorcellerie. Donc, ça pouvait avoir très Mbéwagnolo, mais bon, disons que quand j'étais petit, principalement quand les choses ne tournaient pas rond, on pensait que c'est un esprit malveillant, donc que c'est quelqu'un d'autre dans la famille qui nous veut du mal. Et donc, je me souviens de cette scène-là d'un des ces prédicateurs qui était venu, il était habillé dans une longue robe en couleur pourpre comme ça, et puis qui répandait du sel, qui disait « Jésus Christo, Jésus Christa, ti ta 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 » et voilà. Ça m'a tellement marqué que j'ai voulu faire cette association-là justement entre l'amant qui essaie de conjurer son sort et puis ce prédicateur-là qui, qui était venu chasser les mauvais esprits dans notre cour familiale. Ah ben oui, hein, il faut de temps en temps, je crois, pour déblayer les chemins du bonheur en fait. Alors, à la page 11, tu dis ceci, mais aveugle tu l'étais. Tu te refusais à l'évidence de forme. Sourd comme tu l'étais, tu te refusais au palpitement des actes. Sinon, tu aurais compris le bonheur que tu es l'animal qui s'épanouit en se nourrissant du sang de ses semblables. Tu refusais de voir et d'entendre la clarté matinale des signes. Au contraire de la menthe, qui pressentait déjà un écoulement souterrain, certes encore diffus, dans le rouage de son esprit, mais assez bruyant, assez massif, pour immédiatement sonner l'alarme. L'homme était ivre d'amour et la femme était lucide,
de cette séparation qui arrivait. Oui, oui. Et je pense que même dans un ordre, par exemple, dit spirituel, mystique, les femmes ont toujours ce rôle d'intercession là. Même quand les prêtres, ce sont des hommes, les femmes sont vraiment ces mystiques qui permettent en fait d'entendre les esprits puis de transmettre aux hommes. Donc je pense que il y a depuis de longues, depuis des millénaires, hein, que ce soit en Europe, parce que ce que je décris là, ça se retrouve aussi en Europe, en Afrique, dans le vaudou par exemple, les femmes ont ce rôle justement de devin. Donc il y a vraiment cette idée en fait que les femmes ont une conscience qui est beaucoup plus ouverte à l'univers, qui est beaucoup plus ouverte finalement à ce qui va arriver. Et j'aime vraiment même aussi cette idée-là que, en plus de cette conscience, les femmes sont beaucoup plus intelligentes aussi. C'est un peu ce qu'on appelle par exemple l'intuition féminine. Hein, voilà. Donc c'est un peu cet aspect des choses-là qui est présenté ici, où vraiment, tout en étant amoureuse, elle a quand même un regard qui est beaucoup plus porté vers l'avenir. Je pense que n'importe quel couple, hein, vous faites rapidement. Tu établis une hiérarchie, les hommes vont te détester, tu établis une hiérarchie. Donc la femme est beaucoup plus ouverte que l'homme. Écoutez, je pense quand même, oui, bon, il faut aussi regarder une chose qui est simple, c'est en fait que la femme donne la vie. Et ça, l'homme ne le fait pas. Donc je pense que comme la femme donne la vie... Il faut qu'un homme soit là pour qu'elle donne la vie quand même. Bien sûr qu'il faut que... Bien sûr, non, enfin, disons, l'idée là n'est pas du tout de dire que nous ne nous complétons. Bah, l'idée c'est juste en fait de reconnaître qu'elle a, à mon avis, en termes de spiritualité, en termes d'intelligence, du simple fait qu'elle donne la vie et que finalement elle doit gérer en fait sa vie à elle-même plus la vie d'un un enfant qu'elle porte, ça fait à ce que au niveau de sa sensibilité par exemple, elle est beaucoup plus profonde, elle est beaucoup plus élargie. Donc, et il y a vraiment ce lien aussi hein, entre la sensibilité et puis l'intelligence, c'est-à-dire que plus on est sensible, donc mieux on perçoit les choses et mieux forcément, ou plus on est intelligent. Et c'est vraiment, je pense que ce sont ces qualités-là qui permettent à l'amante de justement sentir en fait donc que l'amant, cet homme africain, il a quelque chose en lui qui sonne faux. Il n'est pas comment on dit ça, il n'est pas droit, il n'est pas à l'aise dans son corps. Il y a quelque chose qui sonne faux. Alors, on continue l'exploration de ce très bon bouquin, Le Saint de l'Amante, publié aux éditions Stella Maris. Nous sommes à la page 14. Il avait beau chercher ton regard, la douceur et le calme dans les palpitements de la vie, mais les couleurs, elles avaient déjà perdu les couleurs. Cette espèce d'éclat tourbillonnant qui brûle les yeux, ouvert derrière un voile de fumée grise. Est-ce que c'est, tu décris ce que je pourrais une forme de cécité dans le regard de l'homme, dans la perception de l'homme de cette réalité qu'il était en train de vivre avec la menthe. L'homme était aveugle, ne savait plus voir les réalités et que la menthe, elle, voyait mieux. Parce que je trouve beau la métaphore telle qu'elle se présente. Oui, oui. Bon, disons déjà que la grisaille, hein, c'est une thématique qui revient beaucoup dans mes romans, enfin disons dans mes écritures. Simplement parce que bon, je suis né à Douala. Douala, c'est une ville qui est grise tout le temps, hein, et vraiment le ciel est gris. Voilà, donc un peu la ville sous les tropiques, donc sous l'équateur, c'est un peu. Donc déjà cette grisaille, en fait, je l'aime bien à cause de cela. Et forcément, c'est une grisaille qu'on va retrouver dans les nuages, et puis aussi les nuages qui peuvent être une allégorie de la fumée, puis du feu, ainsi de suite. Et mais bon, pour répondre aussi à ta question, je pourrais en fait dire ceci. Je pourrais en fait dire que. Si on remet maintenant le poème dans son contexte, c'est-à-dire que son contexte, en fait, c'est qu'on va dire à peu près deux siècles, donc deux siècles après, disons, cette rencontre entre l'Afrique et puis l'Occident, donc dans cette période que certains appellent néocoloniale et que d'autres appellent période de sous-développement, de post et puis ainsi de suite, disons, donc après donc, cette rencontre-là qui a modifié, hein, elle a été très courte finalement dans le temps, mais qui a modifié quand même, en tout cas, qui a installé dans l'esprit de l'homme africain énormément de nouvelles idées avec lesquelles il est encore en prise. Donc l'amant, finalement, voilà le contexte dans lequel il évolue. C'est-à-dire qu'il a finalement oublié le passé dont il est issu, mais ce passé qui est encore le structure et qui l'explique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, donc alors l'amant ne s'explique pas totalement par, disons, le contact colonial, mais il s'explique encore par une tradition antérieure à la colonisation, mais qui
a disparu de sa conscience. C'est-à-dire que lui-même, il n'est plus conscient, en fait, que ce passé-là, justement, qui s'est transmis de corps à corps et de corps à corps, continue à le régir. Et c'est vraiment ça le drame, finalement, dans lequel il se situe. C'est-à-dire qu'il n'a plus les éléments de compréhension de lui-même. Et c'est même, finalement, ce qui explique pourquoi est-ce qu'il est cet être vide qui n'arrive même pas, par exemple, à se projeter dans un futur radieux, qui serait, par exemple, un simple essor économique ou bien une certaine prospérité, par exemple, même individuelle. Alors, à la page 16, je vais quand même lire ce texte-là, c'est un lyrisme ésotérique. Alors, je commence « Soudain, le caïman sortit sa tête de l'eau. L'aigle suspendit son vol au-dessus de la proie. L'oryx redressa ses cornes au premier froissement de l'air. La tortue se replia dans sa carapace. Soudain, les palétuviers sacrifia une branche à la volonté du fleuve. Le jujubier plia sous la caresse du vent impétueux. Le manguier accueillit des hirondelles qui voyageaient à travers le temps. Le capoquier revêtit sa couronne de fleurs. Soudain, le tueur de vin chuta pour ne plus se relever. La matrone berça les nourrissons effrayés par les langues de la nuit. Les langues de la nuit, ça c'est intéressant. Le chasseur banda son arc. La prêtresse aperçut son visage au fond de la bassine. Soudain, la calebasse tomba de main mouillée de la porteuse. La machette foudroya de sa haine un crâne apeuré. Le banc craqua sous le poids d'une citerne. La puits-tête reçut le songe d'une ménagère. Alors, le chat de l'aiguille s'est mis à grossir. Il grossit. Bientôt sa taille fut celle d'une tête. Il grossit. Ça, c'est un conte mythologique, en fait. Oui. C'est de la mythologie. Oui. Oui, c'est vraiment de la mythologie. Et puis, ça rejoint aussi deux figures très centrales. C'est-à-dire que tous les animaux qui sont, par exemple, cités jusqu'à la puits-tête, donc c'est vraiment des animaux mythologiques du peuple Douala, dont je suis issu. Donc, et puis, chaque animal donc, a des caractéristiques particulières. Ils sont même souvent tabous pour certains clans qui ne doivent pas les consommer, puis ainsi de suite. Donc, il y a déjà cela. Et en fait, chaque animal, par exemple, peut aussi être associé, disons, à différentes caractéristiques de l'esprit. Par exemple, on va parler de l'intelligence, on va par exemple parler du courage, de la malice, de la ruse, et puis ainsi de suite. C'est un peu comme les contes finalement animaliers, où on tire des morales à partir des comportements observés chez les animaux. Il y a cette première image-là. Et l'autre image aussi que je trouve relativement intéressante, en tout cas qui m'a beaucoup intéressé, c'est par exemple l'image de Jésus qui dit à un de ses prophètes, enfin à un de ses suiveurs, que il est aussi difficile d'entrer au royaume des cieux que de passer par le chat d'une aiguille, justement. Et c'est un peu ça la question finalement même de la conscience. Donc j'ai vraiment repris cette image parce que je la trouve très très belle. Et finalement ce chat donc, de l'aiguille qui s'élargit, c'est la conscience finalement qui renaît à partir d'une, enfin donc à partir on va dire d'un soubassement culturel traditionnel et qui renaît progressivement et qui permet donc à ce chat de l'aiguille de s'ouvrir et à l'individu de pouvoir accéder au royaume des cieux ou bien à la conscience. Bien sûr. Donc il y a vraiment ce mélange en fait d'images mythologiques à la fois de la culture douala dont je suis issu et aussi donc, cette image que je trouve chrétienne très intéressante sur le royaume des cieux. Alors nous sommes dans le quart du livre, Tim, je me pose des questions. Est-ce que tu penses que le lecteur serait à l'aise dans la lecture de ces livres par exemple? Très à l'aise. Parce que bon, je me rends compte que tu expliques beaucoup de mots. Et je pense que je me pose des questions. Penses-tu? Moi, je l'ai lu, je l'ai compris. Tu penses que n'importe quel lecteur peut le lire facilement? Bon, je pense que il y a aussi un parcours du lecteur. C'est-à-dire qu'il y a un parcours du lecteur et il y a aussi une expérience, on va dire, personnelle du lecteur. Et que le poème, finalement, est aussi quelque part comme un tableau à l'intérieur duquel on peut naviguer. Soi-même, donc c'est un territoire, un lieu à l'intérieur duquel on peut naviguer. Et je pense qu'il y a à trouver un rythme simplement. C'est-à-dire que chacun en fait doit trouver un rythme et dès qu'il a trouvé un rythme, je pense qu'on y accède. Et la compréhension finalement peut se faire aussi par étapes. C'est-à-dire qu'il y a des différents niveaux de compréhension qui peuvent être possibles. Alors, en tout cas, d'après les retours que j'ai, c'est un peu ce que je peux... Moi, je te cite un auteur espagnol, José Ortega y Gasset, qui disait que
La poésie, c'est l'algèbre des métaphores. Mm-hmm. Sommes-nous là dans cette algèbre, tu penses? Bon, déjà, disons que le rapprochement ne peut que me flatter. Voilà, donc c'est quand même un poète que j'estime beaucoup, avec par exemple Octavio Paz, Rimbaud, vraiment pour moi qui sont les meilleurs, Borges, et ainsi de suite. Donc forcément, si tu fais un rapprochement pareil, je ne peux être que déjà très très séduit et puis très très honoré par cela. Mais oui, je pense qu'il y a cette idée-là, finalement, que la poésie en fait nous rend accessible, disons, une complexité du monde à laquelle la conscience n'est pas directement exposée. Et que si finalement on aimerait que l'esprit humain l'aperçoive, disons, on est obligé d'utiliser des formes courantes, des formes quotidiennes proches, et donc de créer cette similitude-là. Donc c'est comme une sorte de réduction comme ça d'une complexité du monde que la poésie opère grâce à la métaphore. Mais il y a même encore quelque chose, à mon avis, qui va beaucoup plus loin, c'est la mystique même du monde. C'est-à-dire que le poème aussi a révélé, ou alors a exposé d'une certaine manière, la mystique du monde. Et ça dépasse totalement la métaphore, parce que ça a à voir avec le rythme. Donc ce n'est plus l'image, mais c'est plutôt avec le rythme, avec la musique, et puis ainsi de suite. Comme on dit, le battement du cœur du monde. Alors nous sommes dans le quart du livre presque, à la page 19. Tu parles de l'alcool, de la boisson. Mmh. Et j'ai aimé le texte sur la boisson, oui. Comme tous les livres. La boisson qui chasse les pensées comme un exorciste chasse les esprits mauvais. Mmh. La boisson qui décime les remords surgissant à la tombée de la nuit. Mmh. La boisson qui explose le cerveau, cette étoile à l'état de plasma. Mmh. La boisson qui casse les articulations, tu l'as nommée alcool. Fort, Belam, Banguinha. J'espère que je prononce bien. Magnifiquement bien. Alcool est fort. L'alcool pour s'anesthésier. L'amant va dans une forme d'ivresse. Il veut s'anesthésier. Oui. Il ne veut pas affronter la réalité. Oui, absolument. Et il faut même toujours revenir encore dans ce contexte tyrannique. Parce que forcément, ce qui a un peu succédé, on va dire, aux indépendances, ce sont des tyrannies. Donc, déjà que l'individu reprend, donc il est lui-même déjà, donc, par ce contexte tyrannique, privé de son corps, privé de son autonomie, de sa liberté, et puis ainsi de suite. Et étant donc même en plus confronté à finalement cette réalité-là à laquelle l'amant l'expose, qui est de dire, mais regarde-toi, tu es un homme vide, tu es vide de toi-même, tu es inoccupé, et c'est tellement vertigineux. Je pense que nous tous, on peut être d'accord que quand il y a une prise de conscience, l'une des premières choses qu'elle suscite, c'est d'abord la peur, avant même de susciter une adhésion particulière. Et donc, le voilà donc qui, à la défaveur, si je puis dire ça ainsi, le monde devenait plus léger, plus agréable, et puis, ne serait-ce que pour 24 heures, on avait quelque part noyé certaines préoccupations. Est-ce que cette ivresse due à la boisson, c'est une forme de responsabilité assumée, c'est une forme d'irresponsabilité? Toi, le poète, tu l'as défini comment, cette ivresse? Bon, je dirais que, entendons-nous bien, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une ivresse, donc un peu comme je le disais précédemment, qui est juste récréative, hein, parce que bon, il y a aussi, tu sais, que la vie sociale est très joyeuse, par exemple dans un contexte africain, donc il y a une ivresse récréative, donc on boit avec les amis et puis ça crée une certaine joie. Mais il y a vraiment une ivresse que je pourrais qualifier de destructrice, et c'est vraiment dans celle-là en fait que l'amant se lance, c'est-à-dire que qui est au-delà de la limite même du corps, donc qui a aussi comme une sorte d'intention, ou alors d'intention vraiment de détruire, hein, absolument le corps. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce corps finalement qui doit se réveiller à lui-même. Il faut quand même encore le détruire pour que je ne puisse pas voir la réalité dans laquelle il se situe. Donc je verrais ce mouvement-là plutôt dans cette exagération-là dans la consommation d'alcool pour véritablement se détruire et empêcher de voir son existence telle qu'elle est. Parce que quand même, si on veut aussi dire la réalité, c'est que quand même l'existence finalement de l'amant, elle est marquée par la déchéance, elle est marquée par la peur, elle est marquée par l'échec. Et quelle vie finalement peut aspirer au bonheur si elle ne prend pas en considération sa situation de départ? C'est-à-dire que c'est quand même l'une des choses premières, hein. N'importe qui souhaiterait se changer. Donc, imaginons par exemple quelqu'un dit « Oh, j'aimerais devenir un mannequin. »
et perdre, je prends 50 kilos, ben voilà, il faut d'abord prendre en considération le fait que j'ai 50 kilos à perdre et c'est de cette manière qu'on se réalise, par exemple, en devenant mannequin. Donc, il y a aussi cette idée. Alors, la page 20, je lis ceci. De voix anciennes, d'un passé mort pour l'œil, dont tu ignorais l'existence. De voix étaient ensevelies dans ta propre voix, ignorant. Si tu avais accepté ton ignorance et imposé à ta voix, alors tu aurais entendu le murmure de voix anciennes, de voix que tu croyais mortes et décomposées. Car il est connu de ceux qui savent ce que l'on doit savoir sous le soleil et les étoiles, que les voix anciennes sont comme un murmure poussé par le vent, un murmure qui ne s'entend pas, à moins que l'on s'impose le silence. Hélas, tu étais un homme du bruit, ton temps était celui du bruit sans corps, du bruit sans âme, du bruit sans hypophyse, du bruit sans lymphe, du bruit pour rien, sinon les signes d'un malaise. Alors, on se rend compte là que nous sommes dans ce que j'appellerais une forme d'ignorance du passé et on est dans ce que j'appellerais une forme de redondance qui, en fait, qui est vide, vide de sens, vide de substance aussi. Donc ça veut dire que on est au point zéro de la vie. Oui, on est au point zéro. Vraiment, c'est comme on peut dire, c'est vraiment comme une sorte de cycle infernal. Peut-être pour bien un peu te parler de ça, je vais juste te donner une petite image, par exemple. Hein. Et imagine, par exemple, un pays où tous les 30 ans, on parle de mettre en place un plan de développement. Tous les 30 ans, plan de développement. Tous les 30 ans, plan de développement. Tous les 30 ans, plan de développement. Puis on se dit, mais attendez, mais quand même, c'est quand même hallucinant qu'on soit toujours en train de revenir. Tim, bah, tu t'en prends au NEPAD, tu t'en prends au CAC. Et puis, oui, en fait, c'était juste pour donner une image. C'est-à-dire que vraiment, l'image, là, elle est en fait de dire que dès le moment où on parle beaucoup, et où on se répète tout le temps sans que ça ne change la situation, il y a un problème. Parce que le but finalement, quel est le but de l'intelligence? C'est-à-dire que le but de l'intelligence et puis le but de la parole, c'est en fait de produire l'action qui va permettre d'améliorer une situation. Et donc l'idée finalement là derrière au niveau de l'amant, c'est simplement que sa situation là dans liée à ce mbewagnolo, c'est-à-dire qu'il s'active beaucoup, il parle beaucoup, il fait beaucoup, mais il continue à tourner en rond comme vraiment un individu qui est voué à la damnation. Et c'est justement encore pour montrer comme ça cet aspect-là de son existence qui, étant totalement déconnecté de ce passé qui l'explique encore profondément, il en arrive à être cet individu vide qui produit des choses, mais des choses qui ne changent pas, ne transforment pas profondément son vécu, son existence, son quotidien et ainsi de suite. Alors, je suis à la page 36. Ils te prirent tout, sauf cette image qui, soudain, remonta dans ta conscience comme un corps, longtemps noyé dans l'eau, remonte à la surface. Les seins de la menthe étaient là, sous tes yeux, droit étendu à la convoitise de ta bouche, de tes mains, de ton souffle haletant. Tu répandais une main tremblotante pour les palper, comme dans ton souvenir. Mais, à mesure que tu t'en approchais, il s'éloignait dans le train à destination des steppes du Nord. Désormais, tu étais nu, tortue sans carapace, comme au premier matin du monde, à l'éclosion de l'œuf primordial. Œuf, tu étais nu, tu n'étais pas neuf, car tu ignorais encore le mal qui rongeait ton corps. Comme jamais, tu te sentais seul, très seul. Silence dans l'herbe rabattue, les grillons ayant renoncé à pleurer ton sort. L'homme a perdu le sein de la menthe et il s'est senti dénudé, abandonné. Il est en déréliction, je dirais. Oui, il y a vraiment cette idée de déréliction.
Il y a aussi peut-être déjà à contextualiser un petit peu. C'est-à-dire que là, comme un peu tu l'évoquais avant, donc il se lance dans cette consommation effrénée d'alcool vraiment totalement destructrice hein, pour tuer justement cette image là des saints. Parce que ben, cette image des saints finalement caractérise donc avec son insistance le réveil progressif de la conscience. Donc il consomme énormément d'alcool, mais malgré tout cela, cette image donc elle le survole toujours son esprit, elle est toujours présente. Il n'arrive pas à la noyer. Donc, comme quoi il est obligé de se confronter à ça. Donc, il y a vraiment cette image-là. Il est en effet dans une des réductions parce qu'il est sous, hein, forcément. Mmh. Il a abusé d'alcool, mais en même temps, et c'est peut-être un aspect aussi comme ça qui est relativement surprenant parce que souvent, c'est par exemple dans des moments, on va dire, d'extrême tension ou alors des moments de sollicitation extrême de l'esprit que souvent la conscience aussi peut arriver à se formuler. Par exemple, étant très sous, il y a un moment, un éclair de lucidité, par exemple, qui se produit parce que, bon, on a essayé de camoufler ou alors de tuer, hein, de tuer cette réalité-là, mais sans avoir réussi à le faire. Donc, c'est déjà un des premiers aspects. Et puis aussi, il y a un autre aspect, disons, que je trouve relativement intéressant, donc qui retrace aussi cette naissance-là, cette renaissance-là de la conscience, c'est l'œuf. Parce que dans beaucoup de mythologies, de traditions africaines, on retrouve cette idée de l'œuf, par exemple, chez les Fans, Béti, Boulou, il y a cette idée que le monde était d'abord un œuf avant de se déclore et puis de donner la vie. Il y a aussi même la même idée qui revient dans le Sankofa, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ce moment-là où il veut noyer cet éveil, donc c'est ça qui caractérise vraiment l'éveil de la conscience parce que ça le ramène à la source même de son problème et l'œuf aussi, donc cette confrontation-là, est-ce que finalement il réussira ou pas? Donc c'est un peu le moment de tension, quoi. Est-ce que la conscience va s'éveiller ou pas? Et c'est un peu ce à quoi on assiste donc à travers ce passage. Mais si je lis par exemple ici à la page 38, il est écrit à plusieurs reprises, les songes se sont faits cauchemars pour réveiller ta conscience. Perdu dans le brume du confort et de l'indolence, cendre d'un feu ancien sur le point de s'éteindre, au premier souffle du vent rageur. À plusieurs reprises, ton corps t'avait parlé dans la langue des hommes, et toi, sourd comme tu l'étais, tu avais refusé de l'écouter, disant, la voix du corps est trompeuse. À présent, souffre, souffre de te relever, souffre. L'homme est dans le refus, il est dans l'entêtement. Oui. Alors, je me pose des questions. Cet entêtement, finalement, ne va pas le perdre, ne va pas l'amener vers sa perte, ne va pas l'amener vers sa dissolution complète. Ou bien cet entêtement, peut-être l'instant final de cet entêtement sera le réveil, parce que la douleur peut-être aura atteint son paroxysme et qu'il serait obligé de réagir. Oui, il me semble en fait que c'est même à ce à quoi sert la douleur. Il me semble véritablement qu'il n'y a aucune transformation qui soit possible sans douleur. Et c'est vraiment à ça qu'elle sert. C'est-à-dire qu'elle sert en fait à se rappeler de ce qui est important et de remettre en fait ce qui est important dans ce qui est donc ce qui est important au centre. Et puis en effet, je pense que tu perçois très très bien cet aspect des choses. Il faut vraiment souffrir en fait pour devenir soi, pour prendre conscience de qui on est. Parce que l'idée derrière, quand même, elle est fondamentale. C'est-à-dire que l'idée derrière, c'est l'idée de la liberté. C'est-à-dire que le corps, en fait, c'est finalement le véhicule grâce auquel on peut habiter le monde. Et la meilleure manière d'habiter le monde, c'est d'être libre. Et donc, toutes ces entraves, finalement, auxquelles le corps est soumis, ce sont ces entraves, donc, cette privation-là de sa liberté. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un ordre comme ça, céleste, ou bien un ordre immanent qui frappait le corps et puis qui lui disait, toi, tu n'as pas le droit d'être toi-même. Mais qui peut avoir le droit de dire à un corps, à des corps, tu ne peux pas être toi-même? C'est véritablement cette question-là qui est dans au fond de la réappropriation de son propre corps, parce que c'est la question de notre liberté. Et c'est ce cheminement-là, finalement, donc cet éveil de la conscience qui, normalement, on le souhaiterait pour l'amant, doit l'amener vers la liberté, qui est, on va dire, la manière la plus digne de vivre. Alors, la page 45,
je vais beaucoup lire, hein? Je vais beaucoup lire parce qu'il faut que je lise pour que vous puissiez vous imprégner de ce qui est écrit, de la beauté des textes de Timba Bema. Regardez comme il est nu, disent-ils. Corps retourné à lui-même, comme le songe retourne à son enfance. Débarrassé des artifices de cette civilisation, qui leur était venue 2 siècles plus tôt, par les routes grises de l'océan. Ô corps nu, corps libre, débarrassé des chaînes qui entravent le corps. Tu ignorais avoir réveillé en eux un gène, omniprésente comme l'air, qu'on avait souvent tendance à oublier, alors même qu'on l'avale et l'expulse en tout temps. Timba, très fondamental ce que tu viens d'écrire, là. Je viens de lire aussi. Nous avons perdu une certaine originalité avec... Nous nous sommes enrichis, nous sommes amenuisés en tant que ce que j'appellerais fécondité de l'imagination, de ce qui doit être notre devenir sur la terre des hommes, de par les contacts avec l'Occident. Oui, je vais dire en fait les choses simplement. On va dire, il y a d'abord la durée de ce contact. C'est-à-dire que ce contact, finalement, il est dans le temps. Ou alors, disons, il date de 5 siècles, mais de manière beaucoup plus proche. Donc de manière beaucoup plus proche, de manière beaucoup plus, disons, peut-être alors mutuellement fécondante. Voilà. C'est 2 siècles. Et ça me semble quand même être, à l'échelle quand même de différents types de colonisation, de mise en rapport des peuples relativement court, par exemple, pour pouvoir transformer une humanité. Parce que je me suis quand même à un moment posé aussi cette question suivante, c'est de dire, bon, ok, nous avons été en contact avec les Européens, mais est-ce que, par exemple, je peux me considérer comme un Européen? Et donc, pour moi, en fait, me poser cette question aurait voulu dire ceci. Je dis, bon, mais je suis pas un chrétien. Ou, bon, moi, je ne suis pas croyant, mais disons, je suis né dans une famille qui est chrétienne. Donc, forcément, je me dis, ok, tu es chrétien, tu parles une langue européenne, tu t'habilles à l'européenne. Donc, est-ce que finalement, tu n'es pas devenu un Européen? Et cette question, elle est quand même relativement intéressante. Et moi, pour y trouver une réponse, je me suis attaché donc à retourner dans la lecture, par exemple, de mythes, de contes, de légendes, d'épopées, et puis ainsi de suite. Et j'ai juste fait une découverte, à mon avis, que je trouve relativement centrale, et qui, pour moi encore, continue d'expliquer, par exemple, l'être africain. Donc, ce qui fait que l'humanité africaine, finalement, est, à mon avis, encore différente d'une humanité européenne. C'est notamment, par exemple, dans les mythes, cette idée-là que... Chez les Indo-Européens, il y aura, disons, c'est un fratricide, un parricide, donc l'enfant qui désire sa mère tue son père et épouse sa mère, en gros. Donc il y a vraiment cette idée de parricide accompagné d'un inceste. Alors que dans le monde africain, par exemple, premièrement, il n'y a pas d'inceste, la mère encourage le fils à tuer son frère pour prendre la place du père. Donc il y a plutôt, disons, pour expliquer finalement le mal, la naissance du mal dans le contexte africain, il y a plutôt le fratricide, par exemple, qui opère. Et ce sont des éléments qui sont relativement centraux parce que, à mon avis, ça explique encore beaucoup l'humanité africaine à l'heure actuelle. Et donc, dès ce moment-là, donc, dès que je fais, en fait, moi, cette découverte, il devient donc clair que je ne suis pas un Européen. Je suis encore un Africain, c'est-à-dire que je reste encore ancré dans cette histoire-là, très longue, et qu'il serait quand même dommage pour m'expliquer moi-même et puis aussi expliquer les autres, donc finalement de trouver les meilleurs moyens de vivre cette existence qui m'est donnée, il serait dommage que je me coupe de ce champ d'explication-là qui m'éclaire dans ce que je suis aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on s'est enrichi? Oui, on s'est enrichi parce que le monde qui est venu à nous est un monde lui-même qui a été augmenté par l'arrivée des Européens. Mais est-ce qu'on s'est appauvri? Oui, on s'est appauvri parce qu'en se coupant, disons, de ce fleuve structurant-là de notre personnalité, on s'appauvrit d'une certaine manière. Donc c'est pour ça quand même que des mouvements, par exemple, comme on peut faire tous les reproches qu'on veut au mouvement, par exemple, de Tchekanta Diop, et puis ainsi de suite, mais c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Pour moi, ça devient juste quelque chose de relativement clair. De la même manière que, par exemple, quand on aborde la question de la Renaissance européenne, on voit très bien qu'il y a un retour vers, on va dire, une humanité gréco-latine qui
elle-même a été irriguée par un courant asiatique et puis ainsi de suite, qui finalement explique les individus dans ce qu'ils sont et qui permet par exemple à un continent à un moment de se réveiller, de chasser des tyrannies et puis de construire finalement une humanité libre. Il me semble aussi que les Africains, à l'heure actuelle, la réponse est pour sortir même de ce cycle infernal à que je décrivais tout à l'heure, ou donc de ce bruit sans hypophyse, sans lymphe, donc ce bruit pour rien, sinon pour le signe d'un malaise. Il me semble aussi que oui, en effet, pour les Africains, il est important de retourner vers cette histoire et de prendre cette histoire comme point de départ pour la construction du futur. Alors, je voudrais quand même te poser une question centrale, puisque nous parlons de l'Africain. Oui. Nous qui avons étudié en Afrique, toutes les études nous montrent que l'Afrique doit devenir un continent développé, mais le développement, c'est le modèle occidental. Aujourd'hui, je suis en Europe, je vois les Africains qui veulent faire un retour aux sources avant la colonisation. Et j'ai comme l'impression que nous sommes dans ce rôle des antagonismes, en fait. Ceux qui sont au continent rêvent que les continents deviennent comme l'Europe, et ceux qui sont ici veulent retourner vers les sources. Mais je constate aussi que ceux qui sont ici, lorsqu'ils arrivent au pays, ils se comportent en nouveaux colons, en fait. Ils reproduisent carrément la mentalité d'ici et rappelant à ceux qui sont au pays que voilà, ici ça se fait comme ça, comme si ici c'était l'idéal qui se faisait. Et aujourd'hui, je me pose quand même des questions. Où est-ce que nous allons dans cette... Parce qu'on dirait qu'il y a une nécessité de réveil. Les gens veulent se réveiller de quelque chose. Ils veulent se réveiller de là où ils sont tout enfermés. Mais ce réveil peut se faire comme Timba. C'est un très bon livre. Je crois qu'il donne des pistes. Mais je pense que vous, en tant que penseur, je pense que vous avez fait le même constat que moi. Qu'est-ce que vous pensez? Quel est le vrai chemin que nous, Africains, nous pouvons aborder aujourd'hui pour nous réveiller des affres de la colonisation, de l'esclavage, de la traite noire, et voilà, de tout ce qu'il y a comme post-colonialisme, impérialisme. Comment nous pouvons nous réveiller? Bon, c'est vrai que c'est une question qui, je pense que si la réponse est aussi évidente que cela, hein, et puis on sait qu'il y a quand même, c'est un continent qui produit énormément d'intelligence, je pense qu'elle aurait déjà été trouvée, elle n'aurait pas attendu Timba pour être trouvée, et sûrement si elle avait été trouvée, ben, on l'aurait déjà mise en application. Bon, ce qui se passe quand même, c'est que oui, en effet, en tant qu'observateur, observant les choses et essayant quand même quelque part aussi de regarder les lignes de fond, parce que je pense que c'est important pour nourrir une réflexion, c'est d'avoir des lignes de fond. Donc il y a deux, trois pistes comme ça qui peuvent sembler intéressantes. La première chose en fait, c'est justement c'est de sortir du mimétisme. C'est de sortir du mimétisme, c'est-à-dire en fait donc de sortir finalement d'un ordre du monde, par exemple, qui sera un ordre, on va dire, relativement racialisé, donc qui hiérarchirait l'intelligence en disant que par exemple l'Européen serait peut-être plus intelligent que l'Africain, et donc il suffit juste de reprendre par exemple des formes de pensée européenne et puis de les utiliser pour l'Afrique et puis ça marcherait et tout. Ce que moi je peux dire, c'est que ça ne marchera pas, parce que justement nous ne sommes pas devenus des Européens, c'est-à-dire que la colonisation n'a pas transformé l'Afrique en Européen. Il reste encore fondamentalement africain. Il y a une humanité africaine qu'on peut vraiment retracer encore. Et ça, c'est très, très important à garder en vue. Donc, qu'est-ce que finalement ça veut dire? Ça veut dire en fait que c'est un peu une habitude que j'ai, qui est par exemple souvent d'isoler des concepts. C'est-à-dire que par moi, je vais isoler par exemple, le concept de développement, puis je ne vais pas du tout le prendre en considération. Parce que pour moi, il est déjà tellement chargé de beaucoup de choses. Je vais par exemple rester sur une idée simple, qui est par exemple l'idée de la prospérité. Et maintenant, poser la question, est-ce que par exemple l'idée de la prospérité, c'est une idée qui est étrangère à l'Afrique? Non. Je prends par exemple l'idée de l'essor, que ce soit l'essor individuel et puis ainsi de suite. Est-ce que c'est une idée qui est inconnue en Afrique? Non plus. Est-ce que par exemple l'idée du bien-être, l'idée du bonheur, c'est une idée qui est inconnue? Non. Est-ce que l'idée de la richesse, de l'enrichissement, hein, de l'accumulation, c'est une idée qui est inconnue? Non plus. Donc, il y a tous ces éléments-là, finalement, qui sont là et qui ont même déjà aussi été traités d'une certaine manière. C'est quand même, par exemple, même en termes de système politique et puis ainsi de suite. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de dire que la réponse est déjà inscrite dans le passé. Ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que le point de réflexion
qui justement doit permettre de changer les choses ne peut avoir véritablement d'impact que si c'est ancré dans les lignes structurantes des individus et qu'on va retrouver notamment dans certains cons, dans certains gens. Quand quelqu'un a compris que pour un Africain, la naissance du mal, c'est le fratricide, mais ce n'est pas le parricide, je pense que ça change énormément la donne quand on voudra penser cet individu et même penser comment l'amener à un développement ou alors disons à un essor individuel. Donc c'est plutôt de dire nous avons une possibilité de commencer à construire une pensée qui va nous faire sortir d'un cycle de la répétition, un cycle infernal qui finalement nous donne l'impression que nous sommes voués à la damnation avec plein de personnes qui vont ressortir des idées par exemple comme charme et puis ainsi de suite. Non, nous pouvons à travers certaines lignes structurantes de notre qui nous explique encore pouvoir avoir une pensée qui va véritablement changer les individus et même les structures sociales. Par exemple, il suffit juste d'observer certains modes d'organisation. Par exemple, si je prends le royaume du Congo, par exemple, c'est-à-dire que donc une fédération, ben, il se peut peut-être en fait que la réponse finalement ne soit pas pour les pays africains un État centralisé jacobin, mais que ce soit peut-être la fédération sur la base du royaume du Congo. Et que si même certains veulent construire l'Union africaine, ben, peut-être que c'est en fait là que les inspirations peuvent arriver. Même sur les questions de gestion du pouvoir, ainsi de suite, il y avait des systèmes de gestion du pouvoir, d'alternance, et puis ainsi de suite. Il est possible que, pour régler même certains types de conflits dans des pays, on doive passer par là. Parce que finalement, il faut aussi à un moment comprendre que quand les conflits surgissent aussi parce qu'il y a opposition d'idées. Et ce qu'on ne perçoit pas, c'est qu'il y a aussi comme un combat, une sorte de conflit qu'on se livre à soi-même. C'est-à-dire qu'on empêche finalement une part substantielle de son être de s'exprimer. Et bien forcément, il faut un moment qu'on ouvre les yeux là-dessus. Donc je pense qu'il y a des pistes et c'est vers ce type de pistes que la pensée véritablement pourra transformer le réel dans le contexte africain. Alors, je vous ai très bien suivi. Timba, vous êtes Camerounais. Oui. Actuellement, au Cameroun, il y a un conflit un conflit de plus. Et je me pose la question, moi qui ne suis pas Camerounais, qui suis africain, panafricaniste, qui aime ce continent, quand je suis dans les médias, dans les réseaux sociaux, j'ai l'impression que le conflit se pose sur un paradigme colonial, francophone, anglophone. Vous avez donné une très bonne réponse tout à l'heure, mais je vous ai vu se prendre position par rapport au conflit qui s'est vu au Cameroun. Est-ce que nous devons comprendre, moi je trouve ça un peu une absurdité que le conflit aujourd'hui puisse être perçu en termes de francophone et anglophone. Est-ce qu'il y a une autre lecture de ce conflit? Oui, je pense qu'il y a une autre lecture de ce conflit. C'est-à-dire que comme on l'a un peu esquissé hein, autour de notre entretien, c'est-à-dire qu'on comprend très bien que comprendre l'âme, même si le terme peut peut-être pas galvaudé, mais comprendre l'âme, l'esprit africain, ce sera en fait de comprendre les différentes couches qui le composent. Et dans ces couches, en fait, elles sont constitutives. Aucune n'a, à mon avis, beaucoup plus de prévalence qu'une autre. On va dire ça. Il y a même aussi une structuration, par exemple, on peut dire tribale, qu'il faut aussi prendre en considération pour pouvoir bien comprendre en fait ce qui se met en place. Donc je pense que oui, en effet, se limiter simplement à la problématique coloniale, à mon avis, n'est pas suffisante. Mais l'autre chose aussi, peut-être que j'aimerais juste faire comme mise en garde, c'est de dire que le fait qu'il y ait des conséquences coloniales à gérer ne doit pas quand même aussi nous sembler très préjudiciable ou alors susciter un rejet absolu, parce que quand même quelque part la forme en tout cas que les pays ont à l'heure actuelle sont issus directement de cette colonisation là. Donc dès le moment où c'est contesté, c'est clair qu'on revient forcément dans un rapport avec l'histoire coloniale. Donc c'est aussi ça, je pense, être en mesure de gérer son histoire coloniale, c'est-à-dire que de ne plus simplement percevoir ça comme un épouvantail, mais de dire aussi bon, ok, nous avons hérité de ceci, mais est-ce que voilà, est-ce que ça nous convient tel quel ou pas, et puis ainsi de suite, et aussi de dire que la seule forme, disons, pour organiser finalement l'espace de vie, n'est pas seulement
la fédération. Donc la fédération de ces États, ainsi de suite, il peut avoir cette hyper-fédération, si je peux dire, donc que tu défends certainement en tant que panafricain, mais c'est aussi de dire que bon, en plus, disons, d'avoir des ensembles qui se délitent, donc des pays qui se séparent, il peut encore avoir d'autres formes de fédération, mais qui n'ont plus rien à voir, par exemple, avec des simples groupements économiques comme la CEMAC ou bien l'UDAO, et puis ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a une inventivité là aussi, à mon avis, qu'il faudrait pouvoir avoir, et un élargissement du regard. Alors, la charte de l'Union africaine, parce que voilà, elle est cette charte qui régit nos États, parle de l'intangibilité des frontières de la colonisation. Mmh. Et au Congo, on y tient. Mmh. Alors quand je t'entends évoquer les termes délitement, je pense que les Congolais ne voudront pas, par exemple, qu'un morceau du territoire puisse partir, en fait. Et je me demande, peut-être que c'est peut-être le cas aussi pour certains Camerounais qui pensent que la scission du pays, c'est un peu prendre une partie de leur âme. Oui, je pense que, bon, après, il faut aussi maintenant intégrer qu'un pays comme le Cameroun, par exemple, que je connais relativement mieux que le Congo, c'est un pays, en fait, dont la forme a toujours varié à travers le temps. C'est-à-dire que sa forme, on va dire, elle a grossi, disons, depuis 1884. Donc, où sa forme a eu une certaine... enfin, elle a pu être reconnue, on va dire, officiellement, au niveau des différentes relations internationales, ainsi de suite. Donc, à partir de 1884, sa forme n'a cessé de grossir jusqu'en 1911. Et à partir de 1911, et juste après la guerre mondiale, donc 1914, donc la première guerre mondiale, elle a commencé à retrécir. Donc on peut dire qu'il y a deux mouvements comme ça au niveau, disons, de la taille, de la forme du pays. Donc, de refuser l'histoire, c'est juste l'histoire, ce sont des faits, l'histoire, voilà, quoi, la forme du pays a changé tout le temps. Voilà. Donc on ne peut pas le nier, c'est la réalité. Mais maintenant, ce que je pense que la question quand même qui, à mon avis, doit être centrale, ce n'est pas seulement, parce qu'il faut voir une chose, c'est que les ensembles finalement qui ont été constitués, ce sont des ensembles qui ont été constitués dans l'intérêt de certaines nations européennes. Et maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que les ensembles, les pays qui existent à l'heure actuelle, travaillent ou peuvent travailler, peuvent permettre l'essor de ces pays-là eux-mêmes. C'est-à-dire qu'après, par exemple, 60 ans d'indépendance, est-ce qu'on estime que le temps est suffisant ou pas de se poser la question, est-ce que ces pays, finalement, ont fonctionné comme ils auraient dû fonctionner, c'est-à-dire de permettre à ce que les individus, donc comme l'amant, puissent s'épanouir, donc se réapproprier leur corps, être libre, être mieux dans leurs existences, et ainsi de suite. Si c'est le cas, il faut donc garder les frontières de Berlin. Mais si on estime que non, mais ces pays n'ont pas fonctionné pour produire cet essor individuel, cette liberté, ce bien-être ou ce mieux-être, et puis ainsi de suite, je pense quand même qu'à un moment, on doit juste revenir un peu au cœur du problème et de voir comment est-ce qu'on peut améliorer, modifier ces frontières. Timba Bema, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation malgré vos multiples casquettes. Vous êtes écrivain, poète, vous êtes initiateur de la revue Des citoyens des lettres. Oui. Vous êtes dans plusieurs activités culturelles ici à Lausanne. Et moi-même, j'ai été invité à l'une de vos activités où j'ai déclamé mes textes. Oui. Merci. Mais écoutez, c'était pour nous un plaisir de vous recevoir, en fait, de te recevoir. Merci à toi. Merci. Chers téléspectateurs, nous vous remercions d'avoir suivi cette émission et nous vous rappelons que nous avons reçu l'auteur camerounais Timba Bema qui vient de publier son recueil aux éditions Stella Maris intitulé « Les Saints de la Menthe », un très bon livre, une très belle métaphore, une longue métaphore et je vous invite à le lire, à le découvrir et la vidéo sera en ligne, vous pouvez voir la vidéo, commander le livre, le lire et faire des commentaires. Et il est sur les réseaux sociaux, vous pouvez le trouver et puis échanger avec lui. Pour nous, nous vous disons que nous avons animé l'émission Bibliothèque francophone et si vous êtes auteur, vous avez publié un livre en Suisse, vous êtes Suisse, que vous aimez le livre, vous voulez en parler à travers une petite entrevue, il y a un numéro qui s'affiche au bas de l'écran, appelez-nous, nous nous ferons un plaisir de venir vers vous et de discuter avec vous sur votre œuvre. Vous êtes auteur africain vivant en Europe, des passages en Suisse. Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi nous appeler. Nous ferons un plaisir avec notre modeste équipe de venir vers vous et de vous interviewer et de mettre cette matière
sur les réseaux sociaux, sur YouTube, pour que tout le monde puisse partager vos idées. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes devant le palais de justice de Lausanne, à Montbenon. Il fait beau, c'est l'été. Timbal témoigne déjà de ça. Oui, oui, bien sûr. Et je crois que prochainement, on se retrouvera ici avec un autre auteur. Bonne soirée chez vous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Magnifique.